Bonjour, aujourd'hui je vous présente quelques dies, donc une petite vidéo express. Donc dans les nouveautés, j'ai reçu cet ensemble de dies de chez X-Cut, donc ça passe dans toutes les machines. Donc voici la taille, un joli cadre ajouré avec le lama, et puis un petit texte aussi qu'on peut enlever si... Si on veut pas utiliser le texte, donc ça c'est très sympa pour l'été. Ensuite, une pochette de chez Spielbenders avec donc un dies de fond aussi pour la pochette. Vous avez les plis ici qui se retournent. Donc c'est quand même une belle taille. La pochette fait 9,3 par 9,8 et l'arrière fait, alors c'est bizarre, 7,4 par 16,1. C'est possible. En hauteur, voilà. Ensuite on a des dies, alors des classeurs d'embossage qui découpent en même temps. Donc on a chez Gemini, en un seul passage vous mettez le papier dedans et ça coupe et ça embosse, donc un joli cadre de cette forme-ci, et un ovale aussi très joli. Alors pareil, les deux, ça coupe et ça embosse en un seul passage. Ensuite chez X-Cut, j'ai encore donc un dies à vous présenter. Celui-ci, donc c'est diadème de princesse. Voilà, donc je regarde s'il y a noté la taille. Bon, vous avez le détail sur la boutique, hein, ça doit être à peu près cette taille-là de toute façon. Ensuite, chez Gemini, on a également un joli dies encore ovale. Alors celui-ci, il vous permet en plus de découper, de coller dessus votre papier de la feuille d'or, des feuilles de foil. J'en ai rentré d'ailleurs en boutique, couleur or et couleur rose. Donc la taille 10,6 par 12,4 en hauteur. Donc ça fait une très belle découpe. Ensuite, on a chez Crafter Compagnon une bordure donc de dentelle comme ceci. Vous voyez, vous pouvez vous en servir de passant ou en déco comme ça. Nous avons aussi dans la collection Poinsettia Perfection de chez Crafter Compagnon trois dies, donc deux cadres ajourés. Alors très très joli également. Donc vous avez la découpe intérieure si vous voulez la faire, si vous voulez l'enlever du napperon. Donc le napperon et encore la taille de fond de toute la surface. Voilà donc pour ces trois dies. J'ai rentré, là c'est ma petite folie parce que je trouvais ça trop mignon. Alors ce sont des dies de chez Disney. Donc il y a Sven, le reine de la Reine des Neiges en fait. Voilà, il a une très belle taille et en fait je le trouve adorable. C'est vraiment pour ça que regardez ce rendu, c'est super mignon. Donc j'ai pris celui-ci et après comme c'est bientôt l'été et qu'on a des choses sur la mer, donc j'ai pris ces deux dies de la collection Nemo, pareil de chez Disney. Donc pareil, il y a deux belles tailles qui à jour, c'est vraiment très mignon. Donc il y a Marlin et Nemo. Et ensuite, j'ai pris celui-ci parce que là, ça, j'adore ces algues. Donc, c'est pareil, c'est la collection de Disney de chez Nemo. Regardez cette taille d'algues. Je crois que c'est 5,60 € le dies, cela aussi. Donc, vraiment, je trouve que c'est intéressant par rapport à ce qu'on peut en faire. Donc, je pense que même pour l'hiver, pour faire du gui avec des petites boules, on peut faire une impression aussi d'hiver. Voilà, les roulettes pour découper le pointillé sur les papiers dans le rayon des outils. Voilà pour ce petit aperçu rapide des dies qui sont arrivés aujourd'hui. Voilà, vous pouvez les retrouver dès maintenant en boutique, voilà, en édition limitée au niveau des quantités. Voilà, je tiens à le préciser pour ces collections-là. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.